seconde table ronde de l'après-midi, qui est dans le prolongement de la première, puisque après la santé mentale aujourd'hui en France, on va voir agir pour rattraper le retard français, même si la conclusion de la première table ronde était de dire qu'on peut faire mieux, mais on fait déjà quelque chose, ce qui est à noter. Alors, sur cette table ronde, autour de cette table ronde, les présentations, donc Madame le professeur Marion Leboyer, professeure de psychiatrie et directrice de Fondamental. Donc vous allez nous parler bien évidemment de Fondamental et de la recherche. Madame le professeur Christine Passerieux, vous êtes professeure de psychiatrie et présidente du conseil scientifique de la Fondation Falleret. L'inséparable docteur Le Guay, psychiatre, qui était à la précédente table ronde. Et puis, Annick Aignon, directrice de la Fondation Falleret. Alors, déjà, une question générale. Est-ce qu'il y a un vrai retard? Parce que, bon, pour rattraper, c'est ce que je disais, ça peut être une commodité journalistique de dire ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rattraper? Ou est-ce que, simplement, on va pas assez vite? Voilà, c'est ouvert, l'un ou l'une d'entre vous prend la parole, comme donc vous avez trop parlé. Non ? Le docteur Le Guay ? Non ? La parole, ça soigne ? Merci pour votre diagnostic, docteur. Oui, il y a un vrai retard. Il y a un retard dont on a beaucoup parlé dans la première table ronde, qui était le retard sur l'appropriation par la société des thématiques de santé mentale et des problématiques de santé mentale. La manière dont on regarde ces problèmes, la manière dont on s'y attaque, la stigmatisation, les représentations, voilà. Il y a ce retard-là. Et puis, il y a des retards, on va dire, plus factuels, encore que ce que je viens de dire est très factuel, mais il y a des retards, on va dire, plus liés, par exemple, au diagnostic. On sait que... avant que ne se diagnostique, par exemple, une pathologie psychotique, s'écoule de nombreux mois, de nombreuses années parfois. Il y a un retard, donc, à la prise en compte et au traitement de ces pathologies. Il y a un retard également en termes de prévention. C'est-à-dire, il y a des indicateurs qui permettent d'orienter des politiques de prévention. Et aujourd'hui, ils ne sont pas, on va dire, travaillés, ils ne sont pas utilisés. Il y a un retard également en termes de recherche, mais ça va être certainement beaucoup mieux développé que je ne pourrais le faire par les autres membres de la table ronde. Donc, il y a réellement des choses, on va dire, auxquelles il faut s'attaquer et qui sont, on va dire, aujourd'hui urgentes. Alors, il me semble que, si je peux ajouter quelque chose d'un petit peu plus personnel, le retard aujourd'hui qui me paraît le plus déterminant, c'est le fait que, en définitive, dans la psychiatrie française dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, on s'est beaucoup focalisé sur la maladie, sur les traitements, en particulier médicamenteux, sur la prise en charge spécialisée. Et on a assez peu travaillé tout ce qui est de l'ordre de l'articulation avec, par exemple, les outils de la réhabilitation psychosociale, la thématique du rétablissement, la question de l'appréhension de la qualité de vie des personnes qui souffrent de troubles mentaux chroniques, la question de l'espérance de vie, puisqu'on sait que ces pathologies sont liées à une... diminution très considérable de l'espérance de vie, et toutes ces thématiques-là qui sont aussi des thématiques sociales et des thématiques qui sont liées au handicap dont on parlait tout à l'heure, n'ont pas été traitées, pas suffisamment traitées. Quelque part, la psychiatrie française, elle a avancé à cloche-pied. Elle a un pied qui a beaucoup avancé, qui a été celui avec tout un appareil de soins qui était celui du traitement, de la clinique, de la compréhension psychopathologique, et beaucoup moins la question de la prise en compte du handicap, des aspects sociaux, des aspects de contexte qui vont permettre en même temps, de manière synergique, de faire avancer la situation des patients. Marion Leboyer. Merci de me donner la parole. Oui. Juste pour rebondir sur ce que Dr. Le Guay vient de vous dire, pourquoi c'est tellement important cette question du retard de la psychiatrie en France, qui est une vérité.
Premièrement, parce que ça touche 38% de la population. Deuxièmement, parce que c'est la première cause mondiale de handicap horizon 2020, comme le prévoit l'OMS. Et troisièmement, parce que dans un monde où on fait attention à nos dépenses, c'est la première cause de dépenses de santé. Et la Fondation Fondamentale a fait une estimation du coût de la santé mentale, c'est 109 milliards d'euros pour le pays par an. Alors, pour donner juste trois illustrations de ce retard français, premièrement, retard au diagnostic. Nous avons montré qu'il faut 10 ans en moyenne pour faire un diagnostic de trouble bipolaire en France. 10 ans, ça veut dire une perte de chance, une perte d'entrée dans la vie sociale, une perte de vie familiale et une perte surtout de guérison de cette maladie. Deuxièmement, retard du soutien à la recherche. Nous avons montré que la France est parmi tous les pays européens celui qui consacre le moins d'argent à la recherche en psychiatrie, puisqu'il ne consacre que 2% du budget de la recherche biomédicale contre par exemple 20% pour le cancer. Troisièmement, et c'est pour ça que cette journée est très importante et que je vous remercie tous de nous y avoir invités, il y a un retard d'information. Et les Français, qu'ils soient patients, familles de patients ou qu'ils soient grand public, se plaignent amèrement du manque d'information et donc du manque de prévention, comme vous venez de le dire, parce que qui dit information dit meilleure connaissance de la maladie, meilleure connaissance de ses facteurs de risque et donc diagnostic plus précoce et stratégie de prévention plus efficace. Christine Passerieux, vous avez l'impression que la recherche patine ou est-ce que, au contraire, il y a des progrès, il y a une vraie volonté et une mise en application? Là, on a vu que les ressources budgétaires sont plutôt minces, mais quand on parle du rattraper le retard français, est-ce que c'est la recherche qui est en retard? Alors, je crois qu'on peut dire deux choses. On peut dire d'une part que les moyens donnés à la recherche en psychiatrie en France, comme vient de nous le dire Marion Le Boyer, sont très, très insuffisants et très inégaux par rapport à d'autres domaines de la recherche. Après ça, moi j'aurais envie de parler, compte tenu des moyens qui nous sont donnés, d'une certaine excellence de la recherche française, pour laquelle d'ailleurs la Fondation Fondamentale a eu des actions extrêmement structurantes en termes de rapprochement d'équipes de recherche, de circulation, de réseau, de synergie entre équipes, qui fait qu'il y a eu une très nette amélioration, par exemple, de la qualité scientifique de nos jeunes professeurs de psychiatrie qui sont devenus assez exemplaires en termes de compétences méthodologiques et de compétences pour la recherche. Ça montre qu'on a des ressources, on a, je pense, une assez grande créativité et on aimerait pouvoir la déployer davantage. Quelque chose que vous partagez, j'imagine, parce que la recherche, je veux dire que vous êtes toutes les deux les plus autorisées pour en parler. Alors je partage bien sûr tout à fait ce que vient de dire Christine Passerieux. Je la remercie pour son mot positif à l'égard des actions de la Fondation Fondamentale. Donc c'est une fondation qui a été créée en 2007 par le ministère de la Recherche, précisément pour soutenir la recherche en psychiatrie, essentiellement par l'intermédiaire de mécénats et de dons, parce que nous n'avons pas d'autres moyens que cela, et aussi par le fait que nous avons répondu avec succès à un certain nombre de gros programmes lancés par le gouvernement dans le cadre du plan investissement d'avenir, qui ont permis la création d'un laboratoire d'excellence et d'un suivi de cohorte. Alors pourquoi c'est tellement important? De nouveau, je crois que c'est important de se poser la question, parce que la psychiatrie a un vrai changement conceptuel de ses représentations et un vrai changement de paradigme qui permet d'espérer l'innovation. Et en quoi est-ce que l'innovation est importante en psychiatrie? Pour trois raisons. Premièrement, parce que mieux comprendre les causes des maladies psychiatriques, c'est mieux les diagnostiquer par le développement d'outils que sont les biomarqueurs, mais aussi les outils connectés. Et aussi et surtout, ça permet d'avoir de nouvelles pistes pour développer des innovations thérapeutiques, qu'elles soient psychosociales, comme le docteur Le Gall rappelait tout à l'heure, mais aussi médicamenteuses. Par exemple, il y a toute une série de projets de recherche qui démarrent au sein de la Fondation Fondamentale sur les traitements anti-inflammatoires, qui sont une voie d'espoir considérable, ou encore pour les pathologies résistantes, où il y a toute une série de stratégies thérapeutiques maintenant qui permettent d'espérer améliorer ces pathologies graves. Je vous en prie. Oui, je voudrais apporter un élément complémentaire sur Marion Le Boyer parlait de changement de paradigme. La psychiatrie est aussi en train de changer de paradigme au niveau de l'organisation des soins. On a eu pendant très longtemps une organisation des soins qui était en faveur d'un abord très généraliste des troubles mentaux, avec finalement des psychiatres qui se présentaient comme des médecins généralistes des troubles mentaux, que ce soit des troubles mentaux comme la dépression, comme des troubles de l'adaptation, ou des troubles mentaux très sévères comme la schizophrénie, le trouble bipolaire. Au jour d'aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est qu'on considère qu'il faut une psychiatrie
avec des niveaux gradués d'intervention et avec la possibilité de développer des centres de référence dans lesquels on va associer à la fois un avis sur des situations de difficultés thérapeutiques, voire de résistance aux soins, des actions de recherche sur ces pathologies résistantes, mais sur des pathologies spécifiques également, et puis des actions de diffusion d'innovation, des actions de coordination avec les praticiens de premier niveau, et la possibilité pour les psychiatres libéraux ou les psychiatres hospitaliers plus généralistes de pouvoir adresser des situations difficiles, avoir des avis, avoir une circulation des avis et une circulation finalement des connaissances au travers de ce maillage entre des niveaux 1, des niveaux 2 et des niveaux 3 et une montée en compétences progressive dans cette spécialité. Alors justement, Marion Le Boyer, c'est ça la médecine personnalisée? C'est ce que vient de dire... Tout à fait. Je crois qu'il y a, dans les espoirs pour essayer de rattraper ce retard français, c'est tout à fait ce que vient de dire Christine Passerieux. C'est-à-dire qu'on est passé d'une médecine généraliste ou d'une médecine générale en psychiatrie à un premier niveau qui est la création de ces centres experts qui ont été portés et voulus par la Fondation Fondamentale, qui se permettent d'offrir aux patients l'expertise d'équipes pluridisciplinaires spécialisées qui font des bilans complets, psychiatriques, mais aussi somatiques. Je rappelle que les patients que nous soignons, si on ne prévient pas l'évolution de la maladie, développe des pathologies somatiques, médicales, plus que ne veut plus que la population générale. Il y a une étape supplémentaire auxquelles nous pourrions avoir accès si on nous en donnait les moyens, qui est l'étape de la psychiatrie personnalisée. C'est-à-dire la psychiatrie qui permet non seulement d'avoir un diagnostic d'une maladie, mais aussi en fonction de l'histoire spécifique d'un patient, en fonction de l'évolution des différents stades de la maladie, en fonction des comorbidités, qu'elles soient psychiatriques ou somatiques, de proposer au patient, en fonction encore une fois de l'état où il est, de l'avancée de la pathologie qu'il a, comme on le fait dans le cancer ou les maladies cardiovasculaires, de faire un diagnostic à l'aide de marqueurs, à l'aide d'outils cliniques, à l'aide de toute une série de batteries d'évaluation pour lui proposer des stratégies thérapeutiques, choix du médicament, thérapeutique psychosociale, règles d'hygiène de vie, information, pour qu'il puisse mieux contrôler l'évolution et en freiner l'évolution. Est-ce que ça veut dire que la psychiatrie est en train, c'est pas de la provocation, est en train de devenir une science exacte? Alors peut-être je peux... Non, je vous en prie, bien sûr. Je vous me nommez, non? Oui, tout à fait. Donc peut-être pour aller plus loin dans ce qui n'est pas une provocation, mais ce qui est une réalité dans laquelle l'ensemble de la médecine a eu une vraie mutation ces 30 dernières années. On est entré depuis une trentaine d'années dans ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves, c'est-à-dire une médecine qui est basée sur des éléments de preuves issus de recherches cliniques ou de recherches plus fondamentales, et finalement l'accumulation de connaissances progressives qui a eu lieu en psychiatrie, comme dans les autres domaines de la médecine, et qui maintenant permettent de proposer des recommandations, par exemple sur quel est le meilleur usage d'un médicament, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre, quels sont les risques, quelle est la bonne gestion de ce médicament pour limiter ces risques, et puis aussi pour d'autres stratégies thérapeutiques, comme par exemple la très grande importance de la psychoéducation de la personne et de sa famille dès lors que la personne souffre d'un trouble mental qui va être sévère et persistant, comme un trouble schizophrénique ou comme un trouble bipolaire, par exemple. Pour aller au-delà de ces questions, peut-être je peux exposer le... Bien sûr. La question est un petit peu plus compliquée concernant la preuve dès lors qu'il s'agit de questions d'organisation des soins. On a évoqué très rapidement la question d'organisation des soins autour de cette idée d'une gradation des interventions, entre un niveau 1 ou un niveau 2 et un niveau 3 en psychiatrie. On sait aujourd'hui qu'on dispose de beaucoup de moyens thérapeutiques. Le problème, c'est comment permettre à la population qui en a besoin d'avoir accès à ces ressources thérapeutiques. Pour exemple, on connaît depuis très longtemps les antidépresseurs, on les a évalués, on sait qu'ils sont efficaces. On sait aussi qu'environ seulement 10% des personnes qui pourraient bénéficier de ces traitements vont réellement en bénéficier. Donc la question n'est plus seulement de l'efficience des soins et de savoir quelles sont les bonnes pratiques soignantes, même si c'est une question bien évidemment qui reste extrêmement importante. C'est pas seulement de développer des nouveaux moyens thérapeutiques, c'est aussi de questionner nos organisations soignantes pour parvenir à un meilleur niveau d'efficience pour la délivrance des soins.
On voit bien là le niveau, on ne s'arrête pas uniquement à la psychiatrie au sens strict, mais le niveau social, le niveau, le maillage qui doit exister, les relais et tout ce qui est contextuel aussi au-delà du sérieux de la recommandation. Ça, c'est quelque chose que, alors, docteur Leguet et puis ensuite Annie Kenyon, ou le contraire, comme vous voulez. Non, vous avez été provocateur, alors il faut répondre à votre provocation quand même. Oui, vous avez parlé de science exacte. C'est quelque chose de très bête comme ça. Non, mais vous avez poussé le bouchon, c'était pour avoir une réponse. Donc Christine Passérieux vous a répondu données probantes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que science exacte. Donc médecine fondée sur les preuves. La psychiatrie n'est pas une science exacte. D'ailleurs, la médecine n'est pas une science exacte en général, donc on sera d'accord là-dessus, je pense. Mais par contre, effectivement, il y a de l'objectivation possible. Il y a de l'objectivation sur une probabilité de bien faire plutôt que de mal faire, une probabilité d'apporter une réponse, ou plutôt que de lever un obstacle, enfin que de faire obstacle. Alors, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la recherche, je parlais tout à l'heure d'une médecine à cloche-pied, je pense que la recherche, elle doit porter sur ce que vient de dire Christine Passérieux, c'est-à-dire sur les parcours, c'est-à-dire sur, finalement, la succession des étapes qui vont faire qu'une personne va pouvoir, et alors c'est là où ça ne peut pas être exact, elle va pouvoir se saisir, elle, d'une occasion qui lui est donnée, d'une perche qui lui est tendue. On parlait de psychoéducation. La psychoéducation, c'est très bien si la personne s'en saisit, si elle adhère à la démarche, si on a pu lui présenter les choses de telle manière qu'elle s'approprie finalement cet outil comme quelque chose qui va être constructif pour elle. En revanche, si effectivement on lui applique d'une manière systématique quelque chose sans lui donner d'explication, ça va être aussi désastreux. Donc il y a quelque chose qui doit se combiner, si vous voulez, entre finalement le mouvement de rétablissement dont on parlait tout à l'heure, qui part aussi beaucoup de la personne elle-même, hein, qui est comme quelque chose comme ce que Cyrulnik appelle la résilience. Il y a des parentés, on va dire, philosophiques entre rétablissement et résilience, et de manière à ce que, à un certain moment, ce parcours dont on parle, cette succession d'étapes, puisse être la plus productive, efficiente, fluide possible. Et donc, pour en revenir à la question de l'efficience des parcours, moi, il me semble que l'une des priorités de la recherche aujourd'hui, en France, puisque l'organisation des soins, elle est aussi quelque part spécifiquement française, donc elle va devoir porter sur l'articulation du champ médico-social, des actions médico-sociales, des actions d'accompagnement, des actions d'aide. On a un hélicoptère. Des actions d'aide, cette articulation avec les actions de soins. Le problème, c'est que ça va être très difficile parce qu'il y a une sorte de cloison étanche entre aujourd'hui le champ médico-social, le champ social et le champ sanitaire. Je vous en prie, vous voulez intervenir ? Oui, je voudrais apporter quelques éléments. Apporter quelques éléments complémentaires à ce que Denis Leguet vient de nous dire. Je voudrais dire un mot d'une initiative relativement récente, puisqu'elle a 2 ans, qui est l'initiative du Centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale, qui est une initiative complémentaire à un autre organisme qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, dans l'idée d'améliorer, de conduire des actions d'amélioration de la qualité des soins. Le Centre de preuves s'est attaché, a été créé en partenariat avec la HAS, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails de cette organisation, mais il a été créé pour apporter des éléments de connaissance sur la question des parcours de santé en psychiatrie, et son premier chantier a porté sur les troubles schizophréniques, donc les troubles mentaux sévères et persistants. Ce premier chantier du centre de preuves a porté sur... Le centre de preuve avait 3 grands objectifs.
un premier objectif qui était d'analyser les données de preuve dans la littérature internationale pour bien sûr ne pas simplement se centrer sur ce qu'on fait en France, mais pour avoir une connaissance de ce qui se fait ailleurs et des leçons qu'on peut tirer de l'expérience concernant l'organisation des soins et concernant la recherche sur ces organisations soignantes qui, elle, est extrêmement dynamique dans un certain nombre de pays développés. Donc apporter des éléments de connaissance sur ce qui se fait ailleurs, confronter à ce qui se passe en France, dégager des pistes d'amélioration, diffuser ces données de preuve et ces pistes d'amélioration et conduire des actions d'accompagnement sur le terrain, d'implémentation des améliorations. Ce processus, on a commencé à le mettre en œuvre à propos des troubles schizophréniques et on est arrivé à un certain nombre de conclusions importantes concernant les parcours et les pratiques en France par rapport aux pays anglo-saxons sur ces pathologies sévères et persistantes, et en particulier le fait que le paradigme du rétablissement dont vous avez dû parler dans la table ronde précédente et dont vous allez beaucoup entendre parler dans les jours qui viennent, est un modèle qui commence juste à s'implémenter dans la culture française alors qu'il a révolutionné les pratiques dans les pays développés pour ces personnes souffrant de troubles sévères. Le changement de paradigme étant que plutôt que de demander à la personne d'aller vers les soins, l'idée c'est que les soins aillent vers la personne et qu'on se base d'abord sur le projet personnel, ce que la personne souhaite faire de sa vie, et que les soins soient là pour rendre possible les aspirations de ces personnes à leur vie, qui sont en général de mener la même vie que n'importe qui. Oui, bien sûr. Oui. Réhab, hein ? Réhab. Réhab, oui, tout à fait. Annick, justement, Denis Le Guay et mes deux interlocutrices disaient que c'est important, l'environnement social, en fait, le fait de s'approprier quelque chose déjà d'existant, il faut en tenir compte. Alors, vous, en tant que directrice de la Fondation Falleret, comment vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la fois, j'allais dire, en termes de, j'aime pas ce mot-là, facilitation, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça fonctionne en fait, pour que les professionnels puissent travailler entre eux et puissent travailler bien sûr pour les autres, pour que la recherche, vous puissiez vous aussi la divulguer, de quelle manière, c'est quoi le sésame et les petites clés magiques, hein. Il ne faut pas oublier que l'œuvre et la Fondation Falleret sont vraiment... inscrit pour le moment dans l'action sociale et médico-sociale spécialisée. Donc je voudrais revenir juste sur la question du retard français, parce que si on a pu le mesurer là du côté du soin, il est abyssal du côté du social et médico-social et à plein d'endroits. Tout à l'heure, Denis parlait par exemple de l'adhésion ou de la psychoéducation qui finalement était compliquée quand les personnes n'étaient pas adhérentes. Nous, on se situe très très en amont, lorsque les familles ou les personnes elles-mêmes sont confrontées à des troubles, ou les entreprises, et à ce moment-là, avec des personnes qui ne sont pas encore du tout dans l'adhésion. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes qui sont là dans l'adhésion ou pas? Comment on va faire pour les accompagner dans cette dimension qui va être petit à petit la reconnaissance qu'il y a de toute façon à leur endroit une souffrance, que cette souffrance elle peut être partagée par tout un environnement familial et qu'il y a des solutions pour elle. Alors que pour le moment, on est souvent dans le déni et ça joue évidemment sur le retard au diagnostic. Donc le social et médico-social va se situer de ce côté. Pour qu'il se situe de ce côté, il faut d'abord qu'il soit développé. Or, la spécialité du champ de compétences sociales et médico-sociales de la maladie mentale n'a été reconnue que par la loi de 2005, donc ça ne fait que 10 ans. Le nombre d'acteurs spécialisés en France est tout à fait réduit et le Falleret est une importante association. Il y en a quelques autres sur le territoire, mais quand même, on est très, très loin du compte. Donc, ça veut dire de pouvoir... disposer finalement de professionnels sociaux, médico-sociaux compétents, experts par rapport à cette spécificité. Mais pour qu'ils deviennent compétents, il leur faut des formations. Mmh. Et ces formations, elles doivent porter sur les sciences humaines, sur la connaissance évidemment des troubles, mais surtout sur les effets sociaux des troubles, pour regarder comment le travailleur social va être en capacité d'apporter des réponses compétentes. Et ensuite, comment il va pouvoir aussi, mais ça c'est plutôt, je dirais, la mésestime de soi du travailleur social, comment il va pouvoir, par la reconnaissance de la valeur de ses diplômes, parler à égalité avec un professionnel de santé,
en ayant le sentiment que sa parole à lui, elle est au moins aussi importante que celle du soignant. Pour que ces deux professionnels mis à égalité d'une certaine manière puissent réfléchir ensemble avec la personne qui a un projet de vie à ce qui serait pour elle le plus adapté. Donc les problèmes sont vraiment multiples. Le retard, il se situe à plein d'endroits différents. Je laisserai tout à l'heure Christine, en tant que présidente de la Fondation Falleret, parler du conseil scientifique, puisqu'on n'est plus là dans la recherche sur la maladie, sur les traitements. On est vraiment sur les effets sociaux des maladies et comment on peut mener une recherche sur cette dimension-là, justement pour faire monter en compétence les professionnels du travail social. Hein ? Donc le programme finalement qu'on a, il est un programme qui vient faire le lien entre l'action dans les établissements, les services, la fondation qui va aussi travailler sur la recherche, sur les représentations, sur la place des personnes dans ce dispositif. Il faut absolument réussir à crédibiliser la parole des personnes. On a entendu tout à l'heure Alison Simon, c'est dans ces 3 jours, on va entendre plein de personnes concernées par la maladie qui vont en parler de manière parfaitement experte, qui vont raconter leur histoire, qui vont raconter comment elles l'ont vécu, avec des hauts, des bas, ça dépend de leur âge, des parcours qu'elles auront eus. Mais le social et médico-social se situe avec les familles et les proches, finalement, auprès de ces personnes pour essayer de voir comment la société peut se rendre plus accueillante et plus adaptée à l'ensemble de leurs problématiques. Et donc là, il y a énormément de travail qui est à faire et on ne peut le faire qu'avec le soin et avec la recherche. C'est pour ça que dans cette table ronde, je pense que parler de comment rattraper le retard français, ça ne peut se situer que dans cette articulation entre toutes ces dimensions. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un usager qui nous aurait apporté son petit plus. On a l'impression que maintenant, et c'est peut-être ça qui a un peu changé, il n'y a plus cette course au pouvoir, c'est-à-dire ce qui intéresse davantage les métiers, les spécialités qui sont les vôtres, c'est la recherche de l'efficacité, les bonnes pratiques, donc la compétence, monter en compétence pour ça. Moi, j'avais l'impression que, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, la santé mentale, c'était presque quelque chose d'extérieur à soi. Je vais essayer d'être clair. C'est l'autre qui définissait si vous étiez en bonne santé mentale ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qu'on se posait, sauf à vraiment souffrir. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et je crois que c'est ça qui a changé. C'est-à-dire que, je parle sous votre contrôle, bien sûr, il n'y a plus, d'un côté, le soignant au sens strict, celui qui sait, etc., qui a l'autorité. Et puis celui qui est en face, qui en quelque sorte est assez passif, hein, puisqu'il doit, un, écouter, ce qui est un peu normal, mais souvent, peut-être qu'on ne l'écoutait pas assez. Moi, je sais pas, quand j'étais lycéen, ou etc., il y avait un bouquin qui m'a marqué, qui s'appelle « L'ombilique des lingues », vous avez peut-être on ne va pas faire de la philo là, mais d'Antonin Artaud, où en fait, il parle avec son psychiatre, et c'est très intéressant. Parce que, en fait, souvent, celui qui répond à ces questions, ce n'est pas le psychiatre, c'est l'éditeur. Mais parce que l'éditeur, il a besoin de mettre en forme des textes. Et je trouvais ça très intéressant, parce qu'en lisant, vous voyez exactement ce qui ne va pas. Alors, bien sûr, quand vous n'êtes pas un professionnel de la psychiatrie, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais en même temps, vous n'avez pas les outils pour y répondre. Sauf que vous pouvez mettre le doigt dessus. Enfin, vous faites un boulot de journaliste, vous dites, non, mais là, il y a... Et j'ai l'impression que c'est ça qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, on prend tout à fait au sérieux, en fait... Et cette écoute, et en même temps, le psychiatre n'est plus un gourou, pour aller vite. Je vous en prie, Marion. Je crois que ce qui a vraiment changé, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette notion d'éducation thérapeutique et de psychoéducation qui est à l'œuvre depuis très longtemps dans des pathologies comme le diabète ou l'asthme. Mais finalement, on s'est saisi de cet enjeu-là qui est de donner les outils aux patients et à leurs familles, parce qu'il y a de l'éducation thérapeutique pour les patients et pour les familles, pour les rendre aussi compétents que nous et pour partager avec eux le savoir et du coup la maîtrise de leur pathologie. Et donc ça, je pense que c'est un pas en avant considérable dont on sait sur le plan de la preuve, par exemple, démontrer l'efficacité, puisque aussi bien en France que dans les autres pays, on a démontré que des séances de psychoéducation permettent de réduire le nombre de réhospitalisations de 50%. Donc, c'est énorme. Ouais. C'est une thérapeutique qui est peu coûteuse, qui est très efficace. Il faut bien sûr qu'elle se fasse au début de la maladie et pas après des années et des années d'évolution. Donc il y a encore une fois l'idée de l'évaluation et de la proposition de stratégie thérapeutique au bon moment. Mais quand elle se fait, ce partage de connaissances, ce partage de compétences, ce partage d'informations, elle est extrêmement efficace. Est-ce que vous... Pardon, je vous en prie. Oui, je voudrais juste faire une remarque sur la question de est-ce qu'on n'est pas tous...
en question sur notre santé mentale. Je ne suis pas sûre de partager tout à fait votre point de vue. Je pense qu'on sait qu'on était en bonne santé mentale lorsqu'on ne l'est plus ou lorsqu'on le redevient. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'expérience de traverser un épisode psychiatrique ou un problème de santé mentale réel qui ne se dilue pas dans l'expérience ordinaire. Ce qui a changé en revanche, c'est que maintenant on en connaît beaucoup mieux la physiopathologie, on en connaît beaucoup mieux les déterminants, on en connaît beaucoup mieux aussi les besoins des personnes qui traversent ces états. Ça ne veut pas dire qu'on arrive toujours à répondre à ces besoins, mais on a vraiment, par rapport à la période d'Antonin Artaud, on a changé effectivement de monde, de représentation et de connaissance sur ce que peut être la folie au sens habituel du terme. Mais dire que tout le monde est plus ou moins à la limite d'un trouble de santé mentale, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, même si ce sont des troubles qui sont extrêmement fréquents, mais avec quand même des degrés de gravité qui sont aussi extrêmement différents. Peut-être je peux garder la parole pour parler de la Fondation Falleray, de son conseil scientifique. Merci. Je dirais pour dire l'ambition et l'originalité qui a été la démarche de la Fondation Falleray par rapport à cette question de la question qui était posée initialement et que m'a posée Annie Quénion et le président Fabre Falleray lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, c'était comment améliorer les pratiques de l'accompagnement en direction de ces personnes, pour ces personnes qui souffrent de troubles mentaux sévères, qu'il faut accompagner sur des durées souvent très longues, avec l'expérience vécue qui a une vraie spécificité à ces pratiques, qui a une plus-value possible à développer ces pratiques, à leur donner une spécificité et à rendre explicite leur spécificité. Mais comment rendre explicite et comment finalement constituer des corpus qui pourraient après ça être transmis dans des formations et pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance aussi de ces professionnels. Et donc l'idée de la Fondation Falleray, ça a été, pour faire ça, il faut développer de la recherche. Il faut développer l'accumulation de connaissances. Et là, on rejoint la question de la médecine fondée sur les preuves. Là, l'idée, c'était de constituer des pratiques sociales fondées sur les preuves, sur des données probantes et donc sur une démarche à la fois d'explicitation, d'évaluation, de questionnement, telle qu'on peut la mettre en place dans des programmes de recherche évaluative, que ce soit sur des pratiques sanitaires, mais sur des pratiques sociales ou sur d'autres types de questionnements. Donc on a créé, au travers du conseil scientifique, un appel à projet de recherche qui a lancé on a eu le deuxième appel à projet de recherche cette année, qui finalement est une initiative, c'est une première initiative en France, c'est la Fondation Falleray qui l'a portée, de proposer sur ces questions du travail social de mettre en place une démarche évaluative, de lancer un programme de recherche sur ces pratiques sociales. Ce que je peux dire pour compléter, mais je vais rendre la parole à Annick, c'est que finalement on a rencontré l'intérêt des professionnels. On n'en était pas sûr du tout au départ. On était même assez interrogatif. Est-ce que le terrain serait mûr? Est-ce que surtout les professionnels de terrain sauraient trouver la méthodologie et les équipes de méthodologistes qui les aideraient à formuler les questions et à mettre en place une méthodologie pour avoir des données de preuve? Et lors du deuxième appel à projet, donc de cette année, on a eu l'heureuse surprise de constater une très nette montée en qualité des réponses qui nous étaient, des projets de recherche qui étaient proposés, et donc l'espoir que finalement le terrain soit vraiment mûr pour démarrer sur un changement de positionnement et un positionnement vers le questionnement des pratiques et la recherche, encore une fois, d'explicitation et la recherche de preuves. Annick, Denis Leguet après, ou Denis Leguet, Annick? Oui, peut-être juste pour rebondir sur le contenu des sujets concernant le handicap psychique. On essaye de faire valoir, notamment au niveau des pouvoirs publics, l'importance de la spécificité du handicap psychique. Si ce type de problématique n'avait pas été pris en compte dans le social et médico-social avant, c'est a priori pas sans raison. Et notamment, une des raisons qu'on a pu nous identifier,
à part le fait qu'en 2000, on nous disait encore où les personnes sont malades, elles sont à l'hôpital, où elles ne sont pas malades, elles sont dans le secteur social ordinaire, c'était quand même qu'il y avait dans l'accompagnement de ces personnes un quelque chose de spécifique dans le métier du travailleur social. Et c'est tellement vrai que quand on reçoit des professionnels chez nous, très vite, on voit, puisqu'il n'y a pas dans le cadre de la formation initiale beaucoup de stages, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de terrain de stage qui soit spécialisé, on voit très vite les professionnels qui se sentent à l'aise avec ces publics. Je crois que c'est ce matin que vous parliez de l'authenticité de ces personnes. C'est vrai qu'ils ont un côté comme ça, un peu provoque, un peu, mais en même temps... Pas langue de bois, oui. Assez brut. Et... qui nécessite qu'il y ait une approche professionnelle très particulière. Et c'est ça qu'on essaie de faire valoir quand on parle de nos institutions ou quand on parle des dispositifs d'accompagnement ambulatoire, puisque c'est évidemment ce vers quoi on tente d'aller au maximum, même s'il y a encore des personnes qui sont très chronicisées et qui ont besoin d'établissements médico-sociaux. Mais pour qu'on puisse aider les professionnels finalement à identifier leur intérêt pour l'accompagnement de ce public spécifiquement, eh bien, il faut qu'on puisse aller creuser un tout petit peu ce qui est particulier dans leur pratique professionnelle. Et on est en train de faire émerger un certain nombre de choses à partir de leur terrain d'application et l'articulation de leur terrain d'application, de leurs questions sociales avec des professionnels de la recherche qui permettent donc de formaliser, de scientifiser, je ne sais pas trop comment on dit ça, la qualité en tout cas de leur travail. Eh bien, ça nous permet du coup de mieux travailler et de mieux faire connaître finalement ce que nous réalisons au quotidien. Denis Le Guay. Oui, ce que je voulais dire va tout à fait dans le sens de ce que vient de développer Annick et Christine. C'est ce qui me semble, on fait un lien entre au fond retard et recherche. Enfin, en gros, retard égale manque de recherche, etc. Ça commence par R, les deux. Oui, tout à fait. Donc, il y a une recherche, finalement, qui est très, très peu développée, qui est aussi la recherche sur les politiques publiques d'accompagnement. Donc, qu'est-ce qui doit être construit comme type, on va dire, de système d'accompagnement, d'intervention? Quels sont les métiers que ça... Alors, Annick évoque quelque chose de... qu'est-ce qui est spécifique et qu'est-ce qui n'est pas spécifique. Et je pense que ça, là, il y a un point aveugle qui serait très indispensable, à mon avis, d'explorer davantage, qui est qu'est-ce qu'il y a, finalement, dans les dimensions du handicap psychique de réellement lié à la pathologie et qu'est-ce qui est beaucoup plus, on va dire, dimensionnel, hein, qu'est-ce qui est beaucoup plus universel. Je vais prendre un exemple. Finalement, une bonne part de la situation de handicap psychique vient du fait que la personne présentant des troubles psychotiques, par exemple, a des troubles cognitifs, a des problèmes de communication avec les autres, des problèmes de compréhension, des problèmes de... où elle va interpréter un petit peu les choses de manière différente, elle va donc un peu se replier sur elle-même, etc. Ça va poser problème et ça va entraver son adaptation sociale. Donc, troubles de la communication avec les autres. Alors, et les malentendants, et les malvoyants, et les cérébraux lésés, et les problèmes, les personnes présentant des déficiences intellectuelles pour des raisons X ou Y, quelle est la spécificité du trouble de la communication? Alors, il y a une spécificité du trouble, mais est-ce qu'il y a une spécificité du résultat en termes de handicap, et c'est-à-dire en termes de difficulté à s'adapter dans la société. Et à partir de là, à partir finalement de quelque chose qui pourrait être une sorte de trame un peu transversale et dimensionnelle, quelles sont les politiques publiques qui devraient être mises en place pour, on va dire, d'une manière générale, prendre en compte dans notre société toutes les personnes qui ont des problèmes de communication avec les autres et qui ne se comprennent pas, qui sont dans le malentendu, qui vont être dans le repli, qui vont être dans l'interprétation, etc. Donc, et on sait très bien que, bon, je vous ai cité les malentendants, les malvoyants, mais on sait très bien aussi qu'ils peuvent aussi développer aussi, des interprétations parfois, parce que voilà, il leur manque des éléments de contexte. Donc, je pense que tout ce courant de recherche-là, il n'est pas développé en France et il devrait être développé dans le cadre de la situation de handicap psychique,
À l'étranger, il y a un courant qui s'appelle les Disability Studies, qui sont effectivement, on va dire, des recherches, on va dire, non liées à une pathologie précise, à un diagnostic, et qui pourraient être, on va dire, très enrichies et rejaillir ensuite sur les mesures à prendre, aussi en termes d'action générée par... des financeurs, des acteurs tels que effectivement les conseils départementaux, les ARS, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, etc., etc. Voilà. Je crois que ça, ouais. C'est pas développé. Il faut vraiment qu'on s'attaque à ça. Mais est-ce que vous êtes des experts, donc je veux dire, on vous entend parfaitement, mais est-ce que le psychiatre de base est capable aujourd'hui de faire quelques diagnostics, j'allais dire préventifs? Je prends le cas de la bipolarité, il y a mais pour avoir rencontré certains psychiatres, certains n'y croient pas du tout, d'autres ne savent pas ce que c'est. Je veux dire, on est quand même, parfois on se pose la question de savoir si votre recherche, vos pratiques, vous qui faites avancer les choses, est-ce que du côté de la base, je ne passe pas là, mais vous le comprenez bien, ça suit, ou est-ce qu'on est là, là c'est pas le retard français, c'est le retard dans certains cabinets. Je vous en prie. Ce que la médecine basée sur les preuves peut apporter, c'est que quand vous allez voir un médecin X ou un médecin Y, finalement, il va y avoir à peu près la même analyse de situation et à peu près la même proposition de traitement qui sera proposée. C'est quelque chose qui existe pour beaucoup de pathologies. Vous avez dans une situation de cancer, dans une situation de maladie rhumatismale, enfin, quel que soit le diagnostic, a priori, il y a maintenant une sorte d'homogénéisation des recommandations de grandes orientations thérapeutiques. Ça ne veut pas dire que la personne, que le médecin que vous allez voir, il sera identique à un autre médecin que vous irez voir. Vous n'aurez pas la même relation, mais au niveau technique, il y aura une même lecture, une même technicité qui sera proposée. Je pense que c'est quelque chose qui s'installe en psychiatrie et que même si il peut exister encore un certain nombre de professionnels qui ne... un psychiatre qui dirait que le trouble bipolaire ou que la maladie bipolaire... Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre avec le fait qu'on a aussi en psychiatrie une évolution de la nosographie qui est très importante parce qu'on n'a pas en psychiatrie d'éléments de validation des catégories diagnostiques qui permettent de dire on fait une prise de sang et on sait que ça c'est une schizophrénie, c'est pas un trouble bipolaire. Donc on a évolué beaucoup dans nos catégorisations diagnostiques. Donc il est possible, si vous allez voir un psychiatre qui a été formé il y a un certain nombre d'années, qu'il ne parle pas de trouble bipolaire mais qu'il parle de psychose maniaco-dépressive. Ça s'emploie de moins en moins parce que c'est des termes qui sont devenus assez désuets, mais au total, ce dont il va parler et ce qu'il aura en tête, c'est quand même un trouble pour lequel il est susceptible de proposer à peu près la même thérapie, d'avoir à peu près la même lecture. Donc là, on est plus dans des questions de vocabulaire que dans des questions de technicité du soin ou de reconnaissance du soin. Après, je pense que la médecine, c'est... et la psychiatrie comme la médecine, c'est quelque chose qui est très évolutif. Ça demande que les gens continuent à se former, même une fois qu'ils ont passé leur diplôme initial. C'est pour ça qu'on a mis en place la démarche qualité. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'encadrements, par exemple, des pratiques des hôpitaux pour veiller à ce que cette démarche qualité s'implémente. Qu'en médecine libérale, c'est aussi ce qu'on s'efforce de faire. Maintenant, il y a des gens qui peuvent rester sur des considérations plus anciennes. Ça peut toujours arriver. C'est rassurant, si ce ne sont que des mots, mais qu'en tout cas, la famille, entre guillemets, est identifiable, identifiée, en tout cas. Voilà, après, c'est effectivement... Alors, je veux pas dire que toutes les connaissances actuelles sur les pratiques soignantes soient réellement diffusées et soient réellement mises en place partout. C'est pas le cas. Il y a des avancées très considérables à faire et on y travaille. Je pense que les recommandations de bonnes pratiques, elles ont du mal à s'implémenter sur le terrain. Il faut trouver de multiples façons de les implémenter sur le terrain. Il y a des vrais combats à conduire, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ces recommandations de bonnes pratiques. Ça veut dire qu'il faut les faire connaître. Marion ? Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Christine, je crois que la médecine tout entière est en marche.
Les blocs opératoires qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on a connus il y a 50 ans et ne sont sûrement pas ceux qu'on va connaître dans 50 ans. Donc la psychiatrie n'échappe, Dieu merci, pas à cette évolution. Ensuite, c'est à nous de diffuser les connaissances, de diffuser les résultats de la recherche. Et c'est pour ça, encore une fois, que ce type d'information et d'émission est extrêmement importante. Et quelquefois, il y a un décalage, ce qui est parfaitement normal, entre les informations sur la recherche. Bon. Par ailleurs, on ne peut absolument pas dire, si on prend l'exemple du trouble bipolaire ou de l'autisme ou de la schizophrénie, qu'on soit capable aujourd'hui, avec précision, d'identifier les formes cliniques, de faire de la médecine personnalisée comme on le fait dans le cancer, où on a un biomarqueur donné qui va permettre de définir le stade d'évolution de la maladie et la stratégie thérapeutique. Et puis l'autre point sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question sur la prévention, je crois que là aussi on se situe dans le même courant de pensée que les maladies comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer, c'est-à-dire qu'il y a une prévention primaire qui pour aujourd'hui a vraiment besoin de la recherche, qui est comment est-ce qu'on identifie les sujets à risque qui ne sont pas encore malades et qu'on essaye de les caractériser pour les empêcher de tomber malade. Et ça, il y a encore énormément de travail à faire, même si on commence à connaître un certain nombre de facteurs de risque génétiques et de facteurs de risque environnementaux, les infections, les stress sévères, le fait de vivre en ville, la migration, enfin, on commence à connaître toute une série de facteurs, les polluants qui sont peut-être à l'origine de l'énorme augmentation de prévalence des pathologies autistiques, mais tout ça nécessite de la recherche et pour le moment on n'en est qu'à la recherche. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la prévention secondaire, qui est comment est-ce que quand une pathologie démarre, on peut être le plus rapide possible pour poser le diagnostic d'une pathologie dont le contour est aussi précis que les recommandations permettent de l'être, mais qui nécessite encore, là aussi, que la recherche progresse. Et puis, troisièmement, il y a ce qui s'appelle la prévention tertiaire. Une fois que la pathologie et le handicap sont installés, comment est-ce qu'on peut faire un bilan le plus exhaustif possible, qui est psychiatrique, parce que souvent, les patients n'ont pas une pathologie, mais plusieurs pathologies, qui est aussi neuropsychologique, parce que maintenant, on a les outils de la remédiation cognitive. Et puis, je voudrais insister, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé autour de cette table, c'est le diagnostic des pathologies médicales qui sont associées aux pathologies psychiatriques. Et là, c'est un autre retard français dont on n'a pas parlé, qui est le cloisonnement entre la psychiatrie et les autres disciplines médicales. Alors que ça devrait être l'inverse, et que c'est l'inverse dans beaucoup de pays, parce que nos patients, on le sait aujourd'hui, sont plus exposés que les autres à avoir des pathologies somatiques. Par exemple, pour donner un des exemples des résultats qui sont obtenus sur les centres experts de la Fondation Fondamentale, on a démontré que les patients présentant un trouble bipolaire ont un risque de développer ce qui s'appelle un syndrome métabolique, obésité, hypertension, diabète, anomalie lipidique, 2 fois plus que la population générale. Et les schizophrènes, 3 fois plus. Et ce qui est grave, c'est que 70 à 90% des patients que nous voyons sur les centres experts ne sont pas diagnostiqués et pas traités. Et donc, ils meurent plus tôt que la population générale, 20 ans plus tôt, à cause de ces pathologies cardiovasculaires. Donc ça, c'est un gros retard, parce qu'on ne pense pas à prendre l'attention ou à peser nos patients, et ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être simple à faire. On ne pense pas non plus à évaluer le risque de pathologies comme les pathologies auto-immunes ou d'autres pathologies dont maintenant on sait qu'elles sont très fortement associées. Donc, autre point d'attention sur lequel je voudrais insister. Mais est-ce que ça veut dire que les médecins ne se parlent pas entre eux ? Il y a un cloisonnement, je crois, très important entre la psychiatrie et ce qu'on appelle le MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, qu'il faut renforcer. Par exemple, moi, je suis très frappée par le nombre de nos patients qui n'ont pas de médecin traitant, ils n'ont pas de médecin généraliste. Donc, il y a un vrai travail de construction de parcours de soins, de liens entre les diabétologues, les cardiologues, les psychiatres, la médecine générale. C'est vrai au niveau de la médecine libérale, c'est vrai au niveau de l'hôpital, où c'est extrêmement compliqué ou pas suffisamment facile de faire le lien entre les différentes disciplines médicales et la psychiatrie. Et c'est reflété par le fait qu'il y a encore en France des hôpitaux psychiatriques qui n'ont pas toujours toutes les spécialités médicales dont on a besoin, ou dont nos patients ont besoin. Dans ce que vous dites, les uns et les autres, en particulier vous, Marion, parlez de médecine personnalisée. On a l'impression que finalement, chacun est différent et qu'il faut pouvoir, au travers de bonnes pratiques, bien évidemment, arriver à faire en sorte qu'on fasse du sur-mesure, pratiquement. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce qu'on pourrait appeler la médecine de masse, les contraintes budgétaires, le fait que, finalement, c'est pas très simple, non ? Vous pensez qu'au contraire, la médecine personnalisée, c'est une source aussi d'économie, c'est une source... C'est une évidence. Je crois que quand on regarde, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres d'évolution de la démence, qui sont en train d'être... Il y a
ralentissement par rapport aux courbes attendues de l'augmentation de la maladie d'Alzheimer, précisément parce qu'il y a eu des recommandations et des stratégies de prévention des maladies cardiovasculaires. Donc c'est exactement la même chose dans le cancer que dans la psychiatrie, où on peut avoir des stratégies personnalisées qui visent à différentes étapes de la maladie, qu'elles soient avant le début de la maladie, quand on en est au stade d'identification de facteurs de risque. Je prends l'exemple du cancer, mais ce sera peut-être un jour le cas pour la psychiatrie. Ou quand on est au stade d'évolution de la maladie cancéreuse, c'est-à-dire quand il y a une seule tumeur, ou quand on a pu freiner l'évolution ou pas et qu'il y a des métastases, c'est la même chose. Et à chaque fois, il y a des équipes multidisciplinaires, spécialisées. On ne soigne pas de la même manière le cancer de l'ovaire, le cancer du poumon, et on ne soigne pas de la même manière quand on a un marqueur de risque ou quand on a une pathologie métastasée. Et ça, ça fait faire des économies, et surtout, ça diminue le poids de ces maladies. Je rappelle que les maladies mentales, c'est la première des premières causes mondiales de handicap et de ce qu'on appelle le fardeau lié aux maladies. Donc, les économies sur le plan de la souffrance d'un individu, sur le plan du retentissement dans sa famille, sur le plan du retentissement sociétal et sur le plan du retentissement économique, elles sont considérables. J'ai l'impression que les maladies collaborent entre elles, donc je veux dire que c'est aussi un modèle à suivre. Oui, je vous en prie. Oui, je voudrais compléter ce que je souscris absolument à ce que Marion vient de nous dire. Je voudrais compléter sur la logique dans laquelle on est en France concernant la problématique du handicap. En France, on attend que le handicap ça soit constitué, donc ça peut prendre un certain temps. Quand il s'agit de pathologie mentale sévère, on gagne à peu près à tous les coups, c'est-à-dire qu'il va se constituer un jour ou l'autre. Le handicap, c'est la conséquence sociale d'une maladie sévère. C'est comment cette personne, peu à peu, va se trouver à l'écart de la société. Une fois que le handicap est constitué, on va le faire reconnaître auprès de la maison départementale du handicap et on va mettre en place des réponses de compensation qui peuvent être extrêmement onéreuses. Alors on n'a pas forcément tant de moyens que ça, c'est pas, probablement pas les pathologies psychiatriques qui sont les mieux reconnues au niveau de leurs besoins au niveau des maisons départementales du handicap, mais ça crée des besoins et des coûts d'accompagnement qui sont dans cette espèce de logique de le handicap n'existe et n'est pris en compte que quand il est majeur. Si on met en place une logique qui va être complètement différente, qui est de s'attaquer au handicap avant qu'il ne se constitue, mais dans les situations pour lesquelles on est à peu près certain qu'il va survenir, et qu'à ce moment-là on agit, et qu'à ce moment-là on fait en sorte, et avec la personne, parce qu'on aura son assentiment, parce que la personne elle veut rester dans sa vie. Les personnes qui souffrent de troubles mentaux sévères, ils peuvent être extrêmement différents et avoir finalement des représentations du monde qui peuvent être très différentes, mais ils veulent rester dans la vie, ils veulent rester dans la société. Si on agit à ce moment-là, c'est potentiellement pourvoyeur d'économies absolument considérables. Denis Le Guay. Oui, je voulais compléter dans le petit circuit, je voulais compléter ce que vient de dire Christine par le fait que le handicap, oui, certes, c'est la conséquence. Donc, on a l'impression, finalement, d'une flèche qui va dans un sens. Moi, je voudrais ajouter que la flèche, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, certes, le handicap est une conséquence, mais que, donc, c'est la conséquence de la pathologie. La pathologie fait souffrir, mais la conséquence fait souffrir aussi. Et si vous vous attaquez soit à la compensation, soit à la réduction du handicap, ce qui est toujours possible en psychiatrie, vous diminuez aussi la maladie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gagnant-gagnant, si vous voulez. Ce sont deux démarches, la démarche de compensation du handicap et la démarche de proposition de soins et de délivrance de soins. Ces deux démarches qui s'économisent l'une l'autre. Et donc, ce qu'il faut vraiment mettre en place, c'est le pas qu'on a à faire, qui serait un progrès, vous parliez du retard, ce serait un progrès, on va dire. Il faut que ce soit aussi un progrès réglementaire, un progrès législatif, c'est-à-dire qu'on cesse de scinder la logique des soins avec la logique de la compensation du handicap et qu'on aborde ces deux démarches de façon concomitante, de manière à économiser et l'un et l'autre. Et encore une fois, à l'interface finalement de la question du handicap dit psychique et de la question de la pathologie psychiatrique se trouvent les soins de réhabilitation psychosociale
qui ne sont pas simplement d'appliquer un programme. Certes, il y a de la remédiation cognitive, il y a aussi des tas d'autres, on va dire, il y a de la remédiation, il y a de la psychoéducation, il y a de l'entraînement aux habiletés sociales, il y a de la mise en situation pour les familles, pour les personnes, etc., etc. C'est un parcours, c'est un ensemble, et ça doit être, on va dire, vectorisé par une intention qui est une intention qui doit être définie avec la personne. Et cette réduction du handicap dans cette optique-là, elle est à tout moment possible, à quelques moments du parcours du patient qu'on se situe. Oui, dans tous les cas, plus on prend les problèmes au début, mieux c'est. C'est vrai que ce qui coûte le plus cher, en médecine comme ailleurs, d'ailleurs, c'est l'urgence. Hein, l'urgence est hors de prix. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit, sur les interventions de nos spécialistes? Vous pouvez lever la main, hein, donc dans le dos, c'est ce que je disais ce matin, c'est un peu plus dur. Pas eu encore les mutations nécessaires, il faut des années. Non, tout est très clair, tout est... Oui, pardon. Non? Annick? Vrai. Non? Donc je voyais... Je terminerai. Oui, oui, bien sûr. Annick, je vais vous laisser la conclusion de cette table ronde, la deuxième de cette année, de cette journée, je suis fatigué, et donc peut-être faire le lien aussi avec la première, parce que la santé mentale aujourd'hui en France et agir pour rattraper le retard français, ça va de pair, c'est l'un et l'autre et pas l'un ou l'autre. Quelques mots de conclusion, Annick? Puisqu'on est au stade des préconisations, les deux points vraiment sur lesquels je voudrais rebondir, c'est la question de la somatisation et celle du cloisonnement juridique et administratif. C'est finalement, je pense que la seule conclusion, c'est que la personne est un tout. Mmh. Elle est un tout et nous, on est tous autour d'elle à des moments différents pour des actions qui sont différentes et qui se doivent d'être absolument coordonnées. Mais on ne peut pas penser que la personne est un tout sans considérer que, certes, elle a un problème psychique, mais elle a un corps qui souffre tout autant que le reste, qu'elle s'inscrit dans un projet personnel de vie, dans un environnement, et que finalement tous les acteurs que nous sommes dans le champ du social, dans le champ de la santé, dans le champ de la recherche, nous avons finalement à essayer d'identifier dans nos pratiques professionnelles, dans nos expertises personnelles, ce qui va lui être le plus utile pour justement lui permettre d'éviter de voir sa santé globalement se dégrader. Donc je pense que là on a vraiment un enjeu et un vrai défi qui est bloqué pour une partie aujourd'hui par ce système de réglementation qui est très différent entre le champ social, médico-social et celui de la santé, et qui nous amène finalement à devoir couper en rondelles les gens, voire à ne pas être dans la même temporalité entre le moment où on va faire un diagnostic et le moment où on va pouvoir lui apporter une réponse sociale. Et je pense que vraiment, quand on parle du retard français, une de nos conclusions, elle devra être celle-là, de souligner l'incongruité et je dirais même la dimension dangereuse, on le voyait sur le volet économique, de cette situation en France pour ce qui concerne le champ de la santé mentale. Donc finalement, nos deux tables rondes, puisque c'était votre question, ben, je pense que c'était une photographie qu'on a pu faire et puis aussi des préconisations qui nous montrent que les choses avancent, qu'elles vont dans le bon sens, qu'on essaie de s'appuyer sur des choses qui vont bien, qu'il y a encore un grand bout de chemin qui est devant nous, mais que finalement, tous autant que nous sommes, on s'y attelle. Très bien, et vous donnez raison à Pierre Dac qui répondait à cette question... Tout est dans tout, il avait dit, et réciproquement. Donc il faut toujours revenir effectivement aux fondamentaux. Ben, merci, je crois qu'on peut les applaudir. Et on se revoit à 17h pour la conclusion de la journée. Merci à tous.